une séance de prière exclusivement dédiée à la nation béninoise. Imam Zé Alpha, membre de la Fondation Malheros, remercie, implore la faveur d'Allah en cette veille de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour l'initiateur, cette prière n'est pas anodine. Le mardi prochain, c'est le 1er août 2023. Et nous devons remercier Dieu parce que tous les présidents des institutions qui étaient avec nous en 2022 sont encore là. L'autre pan de la séance, des prières faites pour le président de la République et son épouse. Qu'il nous protège, tous les présidents des institutions. Et Bénin aussi. Et tous les musulmans. Que Dieu nous garde, que Dieu donne la longévité. Ça concerne la première dame. Je parle de notre très chère maman, Claudine Talon. Sa fondation fait beaucoup de choses. Si c'est pour sortir de l'argent, pour avoir de guérison, nos citoyens n'ont pas ce moyen. Et elle amène les spécialistes pour les guérir. Les imams et alpha membres de la fondation Malekhosu la remercient. Celui qui ne remercie pas Dieu ne peut pas remercier quelqu'un. Vice versa, si tu ne remercies pas ton bienfaiteur, comment tu peux remercier Dieu? C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, on a demandé à imam de prier pour la nation. Cette initiative de la Fondation Malheros n'est pas la dernière. Son président annonce une autre pour les prochains jours.